Une interface qui saute. Alors, j'étais tout au fin fond de la crypte, en récupérant le casque de du défunt roi Poxélis. J'avais des liches qui voulaient en découdre avec moi, hein, comprenez, des squelettes d'outre-tombe avec de la magie bien puissante, qui souhaitaient me mettre une déraillée. Voilà! Et pourquoi cette sauvegarde n'est-elle pas la bonne? This is the question. Merde alors. Bah oui, qu'est-ce que j'ai foutu moi? Ah! Voilà, oh, c'est beau. J'ai stylé. Donc il fallait mettre le petit dispositif de magie du démon là. Pouk. Non, pas comme ça. Comme ça. Ting. Et attention, le dernier, ça va péter. Voilà. Ah. Récupère mon ancien casque. Alors cette clé, je sais pas à quoi elle sert. Petite clé en métal. Je peux pas la fusionner avec mon trousseau? Ah si. Ah bah c'est mieux comme ça. Comme ça je me servirai du trousseau. Voilà, hop, sauvegarde rapide. Les contes de la crypte, la suite. Bah ça va tranquille les fidèles serviteurs. Popom, 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 popom. Il m'a même pas vu l'autre. Je suis là. Non mais tu vas me servir le thé là où je... Enfin, où j'hallucine. Oh là, ce flash lumineux dans la tronche. J'arrive pas à charger mon coup. Oh là 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 là. Entre ma souris. Pardon, je croque mon bonbon là. Entre ma souris qui se fait vieille. Et le jeu qui est pas optimisé pour Windows 10. C'est. Il y a des moments porter un coup à l'ennemi, c'est l'enfer. J'ai même pas vu qu'il m'avait bouffé l'énergie. Non, mais non, mais non, ça va pas, non. Je vais pas détruire ma partie en cours, mais il est fou, lui. Il a faux, il a faux, il a faux, il a faux, il a faux. Il a faux que j'aille tout fort. Message de Torota 77. Ankulum Sadum Masum Fuetum rentre chez toi, Harry Potter. Je vais assassiner Henri Lampeté. Ah. Merde. Oh, j'ai une énorme épée, je suis même pas parvenu à le toucher. Alors que je devrais avoir une portée de malade.
Oh, l'autre, elle fait son gaz, elle dit la nuit. Elle a lâché une caisse. Oh, dégueulasse. Oh non! Allez, on arme le coup et non! Elle va me tuer! Hein. Oh, faut que je me barre de son poison là. Bien joué. Alors, où est-ce qu'elle est la vilaine? Ah, là, là. Ah, a ralenti le temps. Ah, je l'ai eu. Oh, une liche en moins. Qui donne rien, c'est un scandale. Cette musique de l'angoisse. Oui, elles sont assez virulentes, c'est pour ça quand j'étais dans ce coin de la crypte, ma devise c'était courage fuyon. Ah d'accord. Non, moi je vais toutes les aligner. Merci pour le GG. Ouais, j'ai quand même du bon matos. Non, ce qui me font encore suer, bah, c'est des chars d'assaut sur pattes. Même avec l'équipement actuel, j'ai essayé de m'en frotter un 1, il m'a buté. Alors que normalement j'étais censé être à égalité, voire légèrement supérieur que lui. Grâce à mon épée en mitril. Eh ben non. Ah tiens, il faut que je sauvegarde peut-être avant de me... Hein? Bon. Avant de me faire avoir. Ah, en me mettant sur le point d'apparition, j'ai cassé son invocation. Ah, on m'a fait un 2-3 soleil. Ouais. Ouais, des plaies, ouais, c'est vrai. Chère d'assaut sur patte. Mais je vais la voir. Ah, à chaque fois, je casse son sort d'invocation. C'est drôle. Ah, ma santé est très faible. Ouh, elle a pas aimé. Ah! Oh la tête! Oh mon dieu, quelle horreur! Ce duel mou. Oh merde. Là l'invocation a marché parce que j'étais emmerdé par le pupitre. Mais elle est comment cette... Ah, je vais boire une potion, ouais, elle est chiante. Hein. Attends, c'est quoi ma touche de potion? Voilà, c'est la touche là. Ah, parce que là j'en ai marre.
Oh. Mais elle a combien de points de vie, celle-là? Elle va au-delà du commun du mortel. Ah, merci. Si je puis dire. Oh bah j'ai même pas assez de magie, vous voyez, pour régénérer ma santé. Dur. Oh là 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 là. Des plaies, ouais, comme tu dis, Olive. Vous du du. Vous du 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 du. Ça ouvre les grilles sur les côtés, ce que j'ai fait ou pas? Ah oui. Oh, les grilles étaient donc amovibles. J'étais parti du principe qu'elles étaient fixes, mais non. J'en mâche trempé. Bon, alors les flèches. C'est la danse d'Hélène, là aussi. Dali, dali, didi, 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 didi. Allez par là, allez par là. Allez par là. Ensuite tu vas là. Ensuite tu vas là. Allez, tu vas là. Et voilà. Ah bah non, c'est pas fini. Ouais, tu fais un bisou à la statue. Ah, la clé, c'est peut-être ça. Non? Bah, c'est quoi le subterfuge? Oh. Je peux pas allumer les... Non, j'ai plus le droit. Ça a été éteint avec la magie du démon, c'est scandaleux. Reprenons depuis le début. Oui, on est d'accord, le premier symbole, il est au pied du grand cercueil. Eh ben dis donc. Tac, 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 tac. Voilà. Non, je peux pas interagir avec ça. Ah! Je crois que je suis fait prisonnier. Mais que signifie? Bah merde alors. Ah oui, j'avais ramassé des trucs. Un globe lumineux. Ah, le globe lumineux serait-il pas à mettre sur le petit mobilier à l'arrière-plan là où, tout au fond? Et je crois qu'à un moment j'ai ramassé une note que je n'ai point lue. Donc j'aurai de la lecture. C'est pas ça par hasard? Ah, le globe lumineux. Non? Oh, arrête de te plaindre d'avoir faim. Et voilà, ça c'est un globe lumineux. Je sais pas à quoi ça sert, c'est beau. On pourrait croire. Mince, je sais plus comment on fait pour ressortir. Bon, je vais finir par trouver, t'en fais pas, Olive. Alors, une note qui dit quoi? Je ne peux pas... Attends, je ne peux pas atteindre la tombe de Poxélis. L'énigme de l'observation qui protège le héros est trop difficile pour moi. Je laisse les trésors de Poxélis à quelqu'un d'autre. Ah, c'est une lettre de renonciation. Alors, cher Mike, je suis désolé, mais ce ne serait pas juste pour les autres joueurs que je vous donne un indice concernant l'énigme 4. Bonne chance quand même. Olivier l'ermite, ah oui, ça c'était un autre message. J'ai tellement de messages sur moi que je sais même plus à quoi ça correspond.
Hector, je pense que nous allons bientôt être à court de mithril. Oui, non, ça c'était le message des nains dans la mine par rapport à la précieuse ressource qu'est le mithril. Le gardien est sur le point de découvrir la nouvelle reine pour... Ça c'était des messages de l'ennemi. Par rapport à l'arrivée d'Akbar. Non, bah mes notes ne me servent à rien. Non, je peux plus interagir. Non, je peux pas récupérer les... Les proutes. C'est quand même pas une histoire de saut. Si? Ah, peut-être. On peut peut-être faire le truc proprement. Bon, attendez, je vais éviter d'utiliser une torche parce que... Attendez voir. On sauvegarde et on essaye de faire les lignes proprement. Faut juste sauter dans les... Ah, j'ai sauté trop loin, là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Là, je vais là. Là, je fais un saut. Un saut. Hop. Hop. C'est idiot à ce point. Hop là. Hop là. Bon, là, je peux pas... Il n'oublie pas qu'il fallait faire l'évitation, hein. C'est... C'est un scandale si c'est le cas. Hop là. Non, ça marche pas. Renache. Ça ne marche pas. Ouais, mais là, c'est pas possible. Je peux pas. C'est bizarre comme énigme. C'est bizarre. J'ai faim. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que le personnage avait faim. Attends, ça c'est pas cuit. Oui, là j'ai un peu de poulet. Allez, je vais bouffer du poulet. KFC. A tout à l'heure! Oui, 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 n'hésite pas, tu viens quand tu le souhaites à partir de 19h, avec grand plaisir, Torota. Oui, oui, oui. Y a pas un bouton ou un truc comme ça à côté de la grille, je sais plus. Peut-être, j'ai peut-être mal observé. Oh là 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 là. On voit que le jeu a mal vieilli. Hein. Y a des commandes qui devraient passer qui passent pas. J'ai ce que signifie là, j'ai... Attendez, je vais mettre de la... une torche. Voilà, avec une torche, on voit mieux. Non, ce crucifix ne se manipule pas, ce n'est pas un levier caché. Non, je pense qu'il y a quelque chose avec les triangles au sol. Tiens, oui, on aurait dit un bouton enfoncé. Oui, le bouton enfoncé là aussi. Bizarre autant qu'étrange. Ouais, non, mais c'est dur. Il peut pas courir le héros, hein, je crois pas. Il n'y a pas une histoire de sprint. Alors j'ai mis ma touche chaud et confondu avec la touche affichée éteindre la carte. Voilà, j'arrive pas à faire des sons naturels. C'est extrêmement frustrant. Je sais pas, j'essaie de suivre le truc, mais... Non, non, c'est vraiment pas naturel. Ça, c'était les grilles. Bah oui, c'était les grilles. À moins qu'il faille refermer proprement le... Je sais pas. J'y crois pas, mais on peut toujours essayer.
On ferme. Ambiance discothèque. Dans le 8e sous-sol. Et du coup, moi, je peux passer sur les côtés, normalement. Ouais, non, je court-circuite. Non, y a rien. On est d'accord, c'est pas des boutons. C'est pas des interrupteurs, c'est dans ce sens-là. Ah, attends, tu as mis le casque de Proxélix ou pas? Oui, je m'en suis équipé. Tu vas me dire que c'est pas une bonne chose, peut-être. Attends, j'en mets mon autre casque d'avant. Donc je me déséquipe du casque de Proxélix. Hop, hop, voilà. Bonne suggestion, mais visiblement ça ne fonctionne pas. Ou j'ai pas tout ton raisonnement. Bah je sais pas alors. J'ai le problème. Bah en fait, la propriété du casque, superbe casque, c'est que ça dissipe les illusions. C'est le gros avantage, c'est complètement craqué. Ce casque dissipe les illusions. Ça me bouffe tellement d'être dans le noir que je vais rapprendre ma magie pour rallumer les torches sur les côtés là parce que ça me bouffe. C'est vous dire à quel point ça me bouffe. C'est dingue ce trou de mémoire alors que j'ai poncé ce jeu. Ouais, oh, ça arrive. Non mais t'as ta fatigue de journée. Cherche pas, Olive. C'est humain. C'est... voilà. Bonsoir, Nayane. Comment que ça va? Quoi? Ah non, réduit les proutes. Sort danger. Tac, tac, tac. Ah, allume. Donc c'est chouac. Ok. Comme ça. Ah! C'est mieux quand c'est allumé. Je vais les rallumer. Je préfère ça. Ah bah oui! C'est beaucoup mieux. Rallumons tout ça. Allez, joue. Merde. Yop la boum, oui. Ah! Que la lumière soit. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Bien, je vais bien, et comment vas-tu? Bon, moi je vais bien, merci. Ah! Là, il n'y a plus de torche. Oh. On est d'accord, là, il n'y a rien en éclairage. Non, il n'y a rien en éclairage. J'ai fait le yo tout débile. Non, je vais remettre le casque. Le casque de Proxélix. Oui, ça bouge pas là. Là, je pense qu'il ouais, il fallait aller sur les escaliers, mais vas-y, toi. Ah, wesh, dur. C'est pas ça. Je suis fait prisonnier. Je ne comprends pas. Mm-mm.
Si c'est ça, je trouve franchement c'est chier quoi. Parce que c'est dur. Non, ouvre-moi. Ah, ce foutu piège. Hop, 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 hop. Ouais, là j'ai une épée longue, là il y a un crâne, mais c'est pas... Ah! Ah oui, mais sinon c'était pour ouvrir le meuble. Ah oui, c'est pour ouvrir le meuble. Elle est là l'astuce. Voilà, là, le meuble ouvert. Après, je vois pas de... Il y a obligatoirement une signification au triangle au sol. Mais ma grande crainte... C'est l'idée de faire un cloche-patte, je sais plus comment on dit, sur une jambe, enfin réaliser des sauts propres, chose qui me semble impossible, vu le, pardon, le mauvais vieillissement du moteur sous Windows 10. Là, je suis quasiment à la perfection. Mais la grille reste fermée, donc ça me bouffe. Ou alors... Ah, mais je n'entends pas s'ouvrir la grille. Quand je suis au fond de la salle, c'est bizarre. Ou alors c'est les trois dalles là. Que je pensais désactiver un piège en faisant ça, mais c'est peut-être lié, je sais pas. Attends, oui, tu me dis un truc, Olive. Attends, il me semble qu'il faut aller voir dans une des autres pièces pour ouvrir cette fichue grille, mais je sais pas si j'ai bon ou pas. Bah écoute, on va tenter ma théorie de à quoi servent les trois dalles là. Moi je pensais à un piège, mais... C'est bizarre. Rebout, EJ. Tac, tac, tac. Ah, la grille est ouverte là. Ah, il fallait pas mettre de masse sur le... C'est bon! Il fallait pas mettre de masse sur les trois dalles. C'était ça mon erreur. Voilà. Il fallait retirer les... tout ce qui était dalles enfoncées. Mais merci d'essayer de m'avoir aidé. On avance, on avance. Alors maintenant, on va essayer de libérer la pauvre jeune femme qui criait au secours, aidez-moi là. Je sais pas, j'en prends un à deux, ouais. Allez. Vivi, merci pour le GG. Alors. Femme, la femme perdue. Non, pas perdue. La femme perdue. C'est la femme perdue. Je vais prendre une torche parce qu'on n'y voit pas grand chose. En toute objectivité, c'est une bonne idée que je glisse ce jeu dans ma bibliothèque de jeux à faire. Ah, Arx Fatalis! Bah écoute, si l'ambiance te plaît. Et puis maintenant, il est vendu 3 francs 6 sous, Arx Fatalis.
C'est un vieux de la vieille, ce jeu. Ah oui, la quête de la défunte. C'est vrai que j'ai une quête, il faut que je tue celui qui l'a... qui lui a fait grand malheur, bien justement. Attendez, madame, je suis là. Je suis là, mais je sais pas comment vous aider. Adieu, madame. Oui, très bonne remarque d'Olive. Très très bonne remarque d'Olive. Ouais, ouais. Faut pas avoir peur du périphérique. Attends, mais comment elle a fait pour se mettre dans un merdier pareil? Elle est où l'astuce pour ouvrir cette salle? La herse. Attends, c'est la clé là? Ah oui! Ah! J'ai faim. Ah, il y a un truc là. C'est le secret de Toutankhamon. Oh, des pieux! Des nonos et des pieux. Bon, les pieux, j'en ai pas besoin, mais. Ah! Non? Étrange. Ah, la pierre! Je sais où est-ce qu'elle va. Sa forme me revient en mémoire. Il y avait un emplacement dans le mur qui était what the fuck. Ça y est. La mémoire me revient. Comment elle a fait pour se mettre dans la moselle? Non, ça serait au-dessus puisqu'on a, on a descendu quelques marches. Oui, mon perso a dit j'ai faim. Ouais, il a faim, faut que je le nourrisse, sinon il perd de la vie. C'est ça, tu as bien entendu, EJ. C'est pas une hallucination auditive. Faut qu'il mange. C'est un simple mortel. Voilà ce qu'auraient dit les vilains pour m'influencer et me rendre faible de l'esprit. Eh oui, il a faim. Dis-moi. Ouvre-moi la porte. Alors attends, là franchement je vois pas comment elle s'est mise dans la mouise, mais il y a peut-être un lien avec le truc plus loin. Attendez voir que je remonte. Tapis, lui, il ouvre pas sa grille. Oh là. Ah si, merci. Ça m'a fait peur au même moment, ma torche qui s'éteint. Attendez voir, il y a peut-être un lien de cause à effet là. Attendez voir. Ouais, mais c'est un autre niveau, c'est pas logique. Non, il faudra que je revienne sauver la femme. Eh oui, c'est un autre niveau. Il y a pas de lien, c'est pas possible. On aurait dit moi il y a 15 minutes. Ah. Ouch! Oh, Olive qui a faim. Eh oui, dur. Ah! Bonsoir, Aeroster. Merci à toi de venir faire un coucou après ton direct de Hollow Knight. Enfin, je crois que c'est comme ça le nom du jeu. Eh bien. J'espère que ça va bien, Aeroster. Ça me fait bizarre de faire mon foufou en semaine. Ça me change un peu. La pierre. Non, c'est plus loin l'emplacement de la pierre. C'est plus loin. Ah! Merde. Pourquoi j'avais refermé? Je devrais pas. Bon, je veux dire, tant qu'un côté est ouvert, tout ce que je demande. Oui, c'est là qu'il va y avoir la pierre. Eh oui, il y avait un emplacement, un enfoncement bizarre, étrangement bien taillé dans le mur. Et il se trouve que la pierre a la même forme. Non, c'était... Oui, c'était là. Je suis sûr que c'est ça.
la forme correspond. J'y ai repensé quand j'ai posé l'objet sur le... Vous voyez ? Sur le mobilier, là. Oh ! Non ! On atterrit chez les femmes serpents ? Oh, qu'est-ce qu'elle magouille, elle, encore ? Elles sont toutes les intrigues, les femmes serpents. Pardon ? Ah, c'est ça ! Ah, ça permet de faire le lien. D'accord, c'est encore un énième passage. C'est encore un énième passage d'accès à la... Oh mon dieu, il y en a quasiment à tous les sous-sols. Ah, bah c'est toujours ça de prix, ça va faciliter les mouvements. Mon dieu, mon dieu. Donc attends, j'essaie de retourner sauver la femme. La malheureuse prisonnière de la crypte. Qu'a-t-elle fait, la malheureuse ? Le tout long dans les grandes profondeurs de la crypte. Que je sens que ma torche va bientôt s'éteindre, que je vais me faire une frousse, et que je vais me retrouver comme un ego à plus rien voir du tout. Ah là là. Ouais, ça va, c'est cool, Aeroster. Ibi. Alors, Hollow Knight est une pépite indépendante. Ce jeu est magnifique visuellement et musicalement. D'accord. Ok, Nash. Et sa suite est très attendue. Ah. T'imagines, Olive, s'il y avait eu un deuxième opus de Ars Fatalis? Parce que l'histoire sous-entend qu'il y a d'autres villes en surface. Seules que les grands voyageurs balèzes peuvent errer dans le blizzard. Ça aurait pu être encore une autre cité souterraine avec d'autres énigmes, d'autres histoires. Ça aurait été trop bien qu'il y ait un autre Ars Fatalis. Mais bon, c'est ainsi, c'est pas de bol. Il y a eu qu'un opus. Je suis en train de me fourvoyer. Ah, je sais plus où c'est. Ah, je me perds. Merde, c'était où pour le raccourci aller chez le roi là? C'était pas par là? Ah bah merde alors. Ah, je suis perdu. Vite, torche. Faut aller sauver la malheureuse. Ah non. Mais là, il y a un piège. Merde. J'aurais été tellement hypé par une suite de ce jeu, mais bon, comme tu le dis, ça n'arrivera hélas pas. Ouais, bah ouais. Simuche. Attends, c'était plus loin. Ah oui, c'était là. Wow. Et cette grille-là qui s'est refermée. Ah bah, j'ai zappé le raccourci. Moi, j'ai pris la version, donc tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Mais je sais pas, je pouvais revenir par là, mais... J'ai loupé le... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des haches de... Oh mon dieu. Avec les ennemis invisibles. Oui, je suis là, madame. On va essayer de vous sauver, madame. Je sais pas dans... Comment vous êtes mis dans ce pétrin, dame. Ça n'a ni queue ni tête. D'ailleurs, attendez. Je vais éteindre ma torche, déjà. Je vais éteindre ma torche parce que je vais prendre le temps d'analyser la carte des lieux. Pour essayer de voir où serait le... Alors là... Non, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui va m'aider, là. Rien de rien. Titoui. Titoui, titoui. Oui, 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 une herse, une herse. Ah, oui, le jeu a plusieurs fins, mais déjà le finir une fois, c'est balèze. Ah ouais, GG, ouais. Mm.
Comment elle a fait son affaire? C'est pas croyable. On est d'accord que j'ai pas la clé. Mais oui, il me plairait bien de t'aider, ma grande. Mais comment? Ah! La bonne blague. Merde, 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 merde. Si je fais un troisième œil, je pourrais peut-être voir... voir quelque chose que je ne perçois pas en étant au niveau de la grille. Ah, attends, comment je fais le troisième œil? Magie du démon, je veux savoir comment faire le troisième œil. Bah, améliore la vision du... Ouais, bon. Attends, attends, c'était comment c'était ça? Non, champ de force. Madame, s'il vous plaît, nous savons que vous êtes là, taisez-vous. Mais non, c'était pas un truc de le temps ralenti. C'est trop pété ça. C'est trop puissant. Poisonnement, invitation, piège, fuir le mort-vivant. Ah, télékinésie, je me souvenais plus que je pouvais faire de la télékinésie. Utiliser, prendre des objets à distance. Ah, j'avais zappé que j'avais cette possibilité. Ouais. Bah merde alors, c'est quoi le troisième œil? Bah alors, oh bah, parce que améliore la vision, je pense pas que ça me, ça va faire le bruit horrible là, souvenez-vous, le machin là. Ça y est, la souris déclare son indépendance, au secours. C'est le son horrible, le chant qui rend fou. Je vois rien. Il est où le piège? C'est quoi ça déjà? Ah, c'est la herse de ça. Ah oui, c'est les pics. De toute façon, là, j'ai plus rien à faire. Mais... là les pics se sont, sont barrés, j'ai remis les dalles. Comment on libère la malheureuse qui arrête pas de dire aidez-moi et qui va nous rendre fou. Ah ah ah, bah voilà, c'était ça. Hop, attends, je casse ma magie. Ah, je me disais qu'il y avait un truc pas très loin. Alors attendez, torche s'il vous plaît, on recommence. Lumière naturelle, je vous prie. Bonjour, madame. Oh, un levier cassé. S'il vous plaît, aidez-moi. Oui, 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 calmez-vous. Tiens, c'est quoi? Oh, il en a des choses, ce cadavre. Ce cadavre généreux. Dépouillons-le. Ah, le morceau de bois pour le levier cassé. La porte est ouverte. Ah, c'est un zombie. Oh. Et voilà. Il me semblait bien que j'avais confondu ce système d'ouverture avec celui de la tombe de Poxelis. Ah, d'accord. Alors, il se passe quoi là? J'ai ouvert un truc, mais j'ai pas compris quoi. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi pas. Oui, mais ça, j'ai fait ça. C'était le bouton. Attends, c'est pas le même truc.
quoi ça sert, je comprends pas. S'il vous plaît, aidez-moi. La, 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 la. Alors, qu'est-ce qui a bougé avec ce levier? Hein? Vous pouvez me le dire? Oh, quelle horreur! Oh, la vilaine! La vilaine! On t'a reconnu, Brigitte Macron! Ça parle mal! Ah! Je suis vilain, c'était totalement gratuit. J'ai honte. Oh! Ah. Barmonne des trucs. Attends, il me reste un pieu? Ah oui, il me reste plein de pieux. Ah, sauf que c'est pas. Oh, bah alors! C'est le démon. Le démon a été invoqué, c'est scandaleux. Alors. Drain de mana, invocation de mort vivant. Da 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 da. C'est l'arbre du démon. Bon, attends, on voit plus rien là, au secours. Torche. Oh là, le zombie habillé en, dans une belle robe. Ah, parlez pas de zombies, ça me fait penser à la chanson là de Cranberries. Il y a les zombies, 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 hi hi pi 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 pi. Bon, bah. J'ai pas compris l'utilité du. Ah, ils sont chiants avec leur feu. L'utilité du. On est d'accord que c'est pas ça. Mais ça n'a rien à voir, ça. C'était pas le même bruit. Pourquoi j'entends une grille se lever? Ça correspond à quelle grille? Ah, les flammes de l'enfer, ça brûle. Attends, j'ai ouvert un truc. Ce serait si loin dans les salles annexes, ça m'étonne. Ça m'étonne, mais je veux vérifier et percer tous les mystères de cette crypte. Amen. On est un peu dans une ambiance cléricale, hein. On va pas se mentir. La 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 la. Je comprends pas. Ça sert à quoi ce levier là? Dites-le moi. Qu'est-ce qui a changé avec ce levier? Oh, il y a toujours. Ah, mais c'est la grille de sortie! Oh! D'accord, ça faisait partie du piège. Oui, en fait, il n'y a pas de mystère. Pff. Bon, bah, je me barre. Donc, bah voilà, la crypte, c'est fini. La crypte, c'est fini. Et dire que j'aurais arrivé à la refaire un jour. La crypte, c'est fini. Mais trop bien, Crypt Dark Fatalis, elle est trop trop bien. Oui, tant pis, ma torche s'éteindra. Je vais même pas l'économiser. Qu'est-ce que je réfléchis que j'ai donc la quête de Écaille du Dragon et la réponse à ma comment dire, à la question du dragon est dans un bouquin. Question, c'est où est le bouquin? Est-ce que j'aurais pas réponse dans la bibliothèque de... Eh, attends, non, tout n'est pas résolu dans la crypte. Non, 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 il y avait un levier. On entend également un mécanisme, mais j'ai jamais su à quoi ça correspondait. Attendez voir, vous vous souvenez du levier qui est là? Là où il y a le fameux bouclier à restituer à la chef des rebelles, là, qui est la fille du défunt roi.
On dirait qu'il y a un truc qui marche pas. Ce levier là, j'ai encore pas résolu hein, le comment du pourquoi. Merde, je me prends le mur. Fait tellement sombre que je me pète le mur dans la tronche. Ah, puis tant pis, ça fait un bruit horrible. Mais au moins on y verra mieux. On y verra mieux. Et là, tu fais des chants grégoriens. Daoum. Aoum, patatoum. Il y a encore des mystères dans cette crypte, bordeloum. Ouais, tu fais des chants tibétains. Niash, niash, nifi. Oui, je veux bien me barrer par là. Allez hop. Barrons-nous par là. Bibliothèque des humains. Bibliothèque des humains. Attends, je vais enquiquiner les femmes serpents, moi. Elles sont où déjà? Ah, mais c'est vivant! Il y a une araignée. Elle va mourir? D'où elle sort, elle? Oh, c'est le retour des araignées. Elles ont eu le temps de se réapproprier les lieux, les vilaines. Bah, ça alors, il y a un petit peu d'action. C'était quoi ce bruit? Qui c'est qui a fait rien? Mon perso en manipulant l'épée, elle est si lourde que ça? Ah oui. Allez mourir les araignées. Savez pas le bonjour des Jay. Ça ne veut rien dire. Oh, une pelle. Que signifie? Les pauvres, elles devaient avoir une famille monstre. Ah oui, alors. Bon, non, c'est... Oui, non, les corps sont toujours en peau d'os, là. Épée. Non, la poule, je lui fous la paix. Qu'est-ce qu'elle allait se perdre, là, elle? Elle a dû dévaler les escaliers errés dans les sous-sols. Mais non, mais j'irais bien faire suer. Perso, si ça... Quoi? Si ça me veut du mal, j'éradique. Oui, oui, ce qui est logique. Légitime défense. Non, je vais aller enquiquiner les femmes serpents, là. Je vais faire usage de leur téléporteur. Avec des boules de feu de préférence, je crame tout. Eh B. N'allumez le feu, n'allumez le feu. Dalilou, dali. Bonjour madame. Zalnash, toi-même, et oh. Va mal te parler, ou t'en. Miss Zalnash. Teleportation. Teleportation. Mais non! Elle a dit Ah oui, Zalnash. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec un accent, j'avoue. Avec un. Mais quand? Ouais. Tendons l'oreille, Nashevman. Est-ce qu'elle t'insulte? Marchez entre les deux serpents et vous trouverez Zalnash. Ne la faites pas attendre. Alors elle m'a dit tout autre chose, évidemment, la four. Zalnash vous attend. Bah oui. Effectivement. Elle dit quoi, elle? D'accord. Elle fait sa serpent. Bon, bref. Ah non, pas la ville, le château. Le château, j'ai consulté la bibliothèque et la salle du magicien. Enfin, du magicien, du... De l'alchimiste, là. Il faut que je cherche dans un ouvrage combien d'écailles a un dragon. Oh mon Dieu, cette porte qui s'est fermée devant moi. J'ai la maison hantée de Arxpatadis. Comment ça va, toi? Devrais manger quelque chose.
Ah, là, tu me fais et mon perso a faim. Voilà. Et là, comme un gros dégueulasse, c'est le mec, il a pas fini son service, il a pas le droit de manger, il a devant lui, je... Oh, c'est bon. Oh non. Aïe, aïe, aïe. La chaîne de supplice. C'est honteux. Ça sert à quelque chose, ça? Ah non, c'est les trappes d'accès. Bière qui coule. Alors, autant aujourd'hui, j'ai pas envie de bière, autant peut-être que demain, exceptionnellement... M'offrirait peut-être une petite mousse, tiens. C'est vrai, à 18h. Il faut vous occuper de cette fameuse arme, gardien. Je l'ai, je peux te la présenter. Ah non, moi, il faut que je trouve l'ouvrage sur les dragons. Voilà, jante dame, pardon. Non, côté opposé, la bibliothèque, je crois. Oui, va te faire à manger, Olive. Oui, vas-y, bonne popote. Ah oui, va te remplir le bidon après une journée de boulot. Surtout que si t'as froid, en plus, faut alimenter la chaudière, comme on dit. Mais... Oh, ils sont chiants quand ils bloquent le passage, eux, dans leur ronde. Ils sont chiants. Mais ils sont chiants. Voilà. Do you believe? Eh ben, je me suis trompé, mais non, je vais trop loin, là, c'est l'observatoire. Elle est là, la bibliothèque du château. Bonjour, madame. Du haut de ces rayonnages, la sagesse vous contemple. Alors, quel est le bouquin qui parle des écailles de dragon? C'est pas le bouquin là, là ça parle justement des sœurs serpents. Des femmes serpents. Guide des voyageurs. Voyage. Bon, ça c'est des bouquins que je vous avais déjà lus hein, au moment des épisodes précédents. Moi je recherche juste l'info du coup des dragons. Combien ils ont d'écailles? Je fouille la bibliothèque, madame Serpent. Moi, je suis en quête d'une réponse qui me reste dans les dents. Bon, ça veut rien dire. Elle peut me sucer autant qu'elle veut, cette serpente. Oui, des choses sales comme j'aime. Ah. Alors, attends. Dragon. Où est-ce qu'il parle de dragon? Non, l'ouvrage-là fait pas référence au dragon. Les grandes inventions, non. Les races, peut-être. Il y a peut-être un... Les gobelins, gobelins, commerce, les trolls, les hommes rats, hommes rats, les nains, ingénieurs, sous terre, savoir construire les mines, gna gna, habitué des profondeurs, origine des sœurs de l'économie est inconnue. Magie, très proche, mon épicier d'histoire, les seuls furent servants d'aider le roi. Ah! Voilà! On connaît très peu de choses à propos des dragons. Toutefois, les érudits ont pu remarquer que chaque spécimen étudié présentait invariablement 4815 écailles. Donc si j'ai 4800 de pognon, je peux... Merde. Ah, falloir que je vende des trucs. Ah! 4800. Attendez, faut qu'on se le note quelque part, le machin. Voilà. 4815. 4815. De manière mnémotechnique, j'y arriverai mieux comme ça. Après, le 3615, le 4815. Bon, toi, tu passes faire ta ronde que je puisse. Merci. Tant qu'elle me dit pas. Oh, Torota! Je ne te lirai pas de vive voix. C'est scandalouche. Alors, j'ai pas assez de thunes. Merde, il faut que je m'acquitte de 3 4300 et des brouettes.
Attends, j'ai une chambre que le roi m'a léguée. Je crois que j'ai de la bouffe, mais je sais plus ce que j'ai dedans. Ah merde, faut voir que je vende des trucs. J'ai pas assez de thunes. C'est fou ça, mes réparations d'armure et d'armes m'ont coûté trop cher. Ouais, non, mais je vais vendre des armures, hein. On va pas se mentir. J'ai des trucs, faut que je les vende. Oh là 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 là. Il y a un boxon. Du coup, ça m'enquiquine les flèches parce que de l'intérêt de. Ouais, c'est vrai que c'est des très belles armures, mais je vais les revendre. Je vais garder l'armure complètement craquée des ennemis là. Ça fera un souvenir. Alors attends, j'ai un deuxième coffre. Ouais, non, j'ai que de la bouffe, laisse tomber. Coude de viande, hop, je vais laisser là en souvenir. C'est pas la bouffe qui me manque. Hop, un fromage. J'ai à manger un fromage. Pour cocher le petit. Je vais aller voir le forgeron. Je vais aller voir le forgeron. Je vais déjà vendre ça. Et puis si j'ai pas assez, j'irai retourner dans ma réserve que je m'étais réquisitionné au début de l'aventure. Souvenez-vous, chez les gobelins. J'ai du matos en rab. Oui, effectivement, c'est plus ce que tu lis. Alors tu vois, l'émoticône du gars en jouissance d'Achèvement, je me permets de te rappeler que si tu mets en première position dans ton intervention cette image-là, ça déclenche le son là de cochon, coquin, machin. C'était l'émoticône-là dont je parlais par rapport à la nouvelle commande sonore. Vicieux, pervers, cochon, aucun. Voilà, c'est ça. Ou en textuel. J'ai dit textuel, pas autre chose. Merdoum, il est où le... Ah, je suis désorienté quand je sors du château. Il est où le forgeron? Tiens, je me souvenais plus de ce passage. Ah oui, c'est accès aux égouts. Merdoum, je ne me souviens plus. Bon, à force de tourner en rond, je ferais bien par retrouver mon chemin. Il est où le forgeron? Il a dit, il a dit, là donc. Ouais, les blagues de chalache. On entend qu'il bat le fer, mais je sais plus. Ah, il est là! Oh là là! Alors, monsieur le... Attendez, je regarde. Monsieur le forgeron, faut que je vous vende du matos. Alors, ça c'est quoi? Chemise de maille, protection de magie, machin, machin, machin. Oui, bon, je la revends. Allez, hop. Oh là 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 là, il va me falloir revendre des trucs. Je sens que je vais revendre des armes aussi, parce que... Hop là! Ah, c'est bien, il y a des trucs intéressants. Allez. Ça libère de la place. Ah! 3800, on a dit quoi? 4615, hein. 4615. Qu'est-ce que je revends? Oh, celle-là, elle est bien comme arme. Oui, celle-là, elle va casser, je peux la revendre. Ah, je me souviens pas que ça coûtait aussi cher les carreaux, enfin les flèches. Capuchon de maille. Oui, bah je vais le revendre aussi parce que. Comme maintenant j'ai le super casque craqué. Ah, épée drain de vie. Non, je vais la garder, c'est une arme trop bien. C'est une arme trop bien. L'épée de force de Cyprien. Ouais. Je peux la garder en haut de secours. L'épée courte, je vais la vendre.
Ah non, on ne peut pas cumuler comme ça. Ah, j'ai du poulet à cuire, dis donc. J'ai du poulet à cuire. Alors, encore une autre épée courte. Lent. Re-olive. J'en suis à 4100 dans mes ventes. La 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 la. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi aussi, je sais plus ce que je dis sur mon propre chat. dague d'assassin, ouais. Oh. Bah, c'est bien, je m'en garde une. Réfléchissons. Je réfléchis. Ouais. Non, va trouver de quoi te couvrir, Olive. Va pas choper la mort devant ton ordi. Ah oui, c'est vrai que je peux... Ah merde, non, c'est vrai que lui, il achète pas les bijoux. Oui, attends, je vais me débarrasser des bijoux chez le... Chez le prout-prout, là. Il est où, le joaillier? Le prout-prout joaillier. Il doit pas être loin. Et merde, je me suis encore fourvoyé dans la mauvaise partie de la ville. Ah, je suis mauvais. C'est là où je me mets à harceler les gardes. Alors ça, ce coin perdu, le coin qui sert à rien, c'est... Enfin bon. Non, franchement, la bataille finale dans Ex Fatalis, je vais en baver pour être poli. Hein, ça va être d'un chien. Les morceaux de bois, je peux pas les cumuler là. Parce que ça traîne dehors, c'est naze. Je peux pas les empiler, mais bon, c'est un morceau de bois de récupérer. Oh, je pense pas que je recroiserai un levier pété d'aussitôt. Monsieur le joaillier, bonjour. Youhou. Je vous en prie, jetez un coup d'œil à mes marchandises et n'hésitez pas à vous servir. C'est cela, oui. Intuition ultime, invisibilité, ouais. Mettre absolument résistance au poison, machin. Oui, c'est vrai que j'ai des bijoux spéciaux. Ouais, je vais lui revendre ça. Hop là. Hop. Pépite de fer. Ouais, non, c'est un peu plus forgeant que ça va intéresser. Quand même, je pourrais peut-être tester dans la forge des nains si je peux pas en faire un matériau raffiné qui vaut plus cher, tiens. Je me suis pas amusé à ça. De toute façon, on va y retourner parce que si j'ai l'œuf de dragon, j'aurai le. Enfin, j'aurai tout intérêt à retourner chez les nains. Mais non, monsieur, il n'y a pas de ahem qui tienne. Il a fini de faire ahem. La 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 la. Oui, j'ai des colliers à vendre aussi. Allez. Tant que je suis là, je me fais de la tounache. Anneau d'invisibilité, blablabla. Non, je vais le garder en magie du démon. La magie du démon. Donc on a dit 4615, hein, 4615 en thunes. Eh ben c'est merveilleux, il me manque encore 97. Bon, j'ai quoi d'autre? J'ai un... Ah bah c'est parfait, le rubis va me sauver. Parce que c'est l'émeraude qu'il faut garder, je crois, pour le jeu de... Tiens, je peux en vendre une. Le jeu du gars, là. Ah oui, il faut que je trouve le coffre à qui mettre l'émeraude. Oh, il y a encore des mystères dans Ex Fatalis. Voilà, normalement j'ai ce qu'il faut. Voilà. Pour provoquer le... Enfin, provoquer.
acheter au dragon un œuf. Je réfléchis, c'était où? C'était... Ouais, c'était du côté de Réunion Goblin. Heureux à nouveau, Olive, oui. Vivi. Que tu chopes pas la crève, a pas besoin de ça. Alors, on repart à la rencontre du dragon, lui acheter un œuf de dragon pour 4615 pièces d'or. Alors que tu viens de remonter un ou une cyprinodonte de Valence. Incroyable, c'est un poisson. Enfin, il voit rien. Il fait sombre par ici. Le dragon. Qu'est-ce que je fous là, moi? Mais non, le dragon, il est pas là. Je me suis trompé de sous-sol. Eh non, c'est pas par là. Je me suis planté de sous-sol. Je suis allé trop bas. Le dragon est un peu plus haut. Donc j'achète l'œuf de dragon à l'intéressé. Et puis je garderai le reste de l'aventure pour une prochaine fois. Je sais pas si j'y jouerai demain, je sais pas. Puis après je me tourne vers toi, Torota. Et voilà, toi te passer. Oui, merci. Oui, donc du coup, Torota, est-ce que tu te sens toujours prêt pour un Suit of Rage? Est-ce que t'as rien contre le fait de... Bah, je te propose que ce soit toi qui héberge. Au moins, t'auras pas les latences. Moi, les latences, je m'y adapte. Et puis, est-ce que t'as tes... Oui, j'aime bien le comment. Ah, t'es toujours prêt, c'est merveilleux. Non, je te propose d'héberger, d'être le serveur du Street of Rage, des rues de la rage, là. Parce que tu n'auras pas à souffrir des latences que j'ai eues, moi, en souci, la dernière fois. Bonne vaisselle, bon courage pour la vaisselle, Nayane. Moi aussi, il me reste un peu à faire, mais la vaisselle, je la ferai demain. Prout, je sais plus c'est quoi la lévitation. Oui. Oui, c'est le G là. Et le Zoro. Zoro! C'est ça. A lévitation! Oh yeah. Levitation. C'est bon, on voit les masques du troll artiste. Ah, il est en train de pêcher. Je sais pas si vous l'avez vu. Il est en train de pêcher, peinard. Hop, je casse l'évitation. Voilà. Parce que le reste, je peux le faire à pied. Enfin, je crois. Oui, donc je reviens vers toi, Torota. T'auras pas les latences si tu héberges la partie de Suit of Rage. Et puis si t'as rien contre ça, je continue de diffuser. Comme ça, s'il y en a qui veulent interagir avec nous dans le chat, à moins que ça te dérange, tu me le dis. Et puis je fais un relais de chaîne à quelqu'un et on joue à Suit of Rage entre nous. Ouais, prépare tranquillement. Parce que le dragon, il est là. Et il faut que je lui donne. Ah, déjà faut que j'arrive à passer. Alors, dragon, achat du dragon, on va appeler ça comme ça, la sauvegarde. Achat, dragon. Ok. Nous sommes d'accord. Achat, dragon, œuf. Ah oui, alors. Ouch, j'ai cru que j'allais faire cracher le jeu. Ah, je te vois. Allô, est-ce que vous avez mon nom?
Oui, j'ai ton ordre de maison du coffee. Cette somme est insuffisante à la limite de l'insultant. Tu vas voir comment je vais t'insulter, moi. J'ai bien lu, c'était... Attends, j'ai un doute. Merde, vous avez noté la valeur qu'il fallait? Ah, je deviens fou. Ah. Alors, est-ce que vous avez mon or? Mon or. C'était combien le merdoum? J'aurais dû l'écrire sur un papier. J'aurais dû l'écrire sur un papier. Oui. J'aurais dû l'écrire sur un papier. J'aurais dû l'écrire sur un papier. Attends, je rembobine un peu. Ah, tu dis 4815. Ah merde, j'ai mal lu. Donc j'ai pas assez de thunes en fait. Merde, ah maintenant je suis con, c'est pas la bonne sauvegarde du coup. Merci Torota. 4815 de mémoire, tu me dis. 4815. Oh merde! Oh merde! Il me manque une centaine en fric. Mais non! Mais c'est scandaleux! Attends, c'est quoi ce... Pépite de fer. Ah, oh, il me manque pas beaucoup de thunes. Hein. Il me manque pas beaucoup de thunes. Non, la prochaine fois, ce que je ferai, je vais sauvegarder pour la reprise. Et j'irai quand même à mon tour, je retournerai dans la mine naine. Et je vais voir au niveau du raffinage si je peux pas transformer mes matériaux bruts, justement, en matériaux raffinés. Qui devraient évidemment faire valoir une large plus-value. Je vais essayer d'utiliser la mine naine dans ce sens. À partir de là, j'irai les revendre aux humains et je repartirai voir une nouvelle fois le dragon. Et là, j'achèterai son œuf de dragon. Quand j'ai son œuf de dragon, je retournerai chez les nains pour faire l'enchantement de l'arme ultime. Et après, je devrais théoriquement aller casser la figure à Agba. Voilà, il l'aura dans le bibi, dans le... Wally, Wallou, vous savez tout, Poluco. Comment ça, comment d'activer? Ah oui, je me souviens même plus que le clavier l'affichait. Je ne me souvenais plus que le clavier l'affichait. Enfin bon. Alors. Il faut que je te rejoigne dans le...